est un acte littéraire. Moi, Abdelmalik, quand j'étais petit, j'avais mal, je suis né malade. C'était l'état de mon esprit. Sur l'échelle de Richter de la misère, malade, ça vaut au moins 6, quelques degrés en dessous de là où c'est gradué fou. Les autres, c'est pas moi, c'est les autres. Les autres, c'est pas moi, c'est les autres. Les autres, j'étais voleur et avant d'aller voler, je priais. Je demandais à Dieu de ne pas me faire attraper. Je demandais que la pêche soit bonne, qu'à la fin de la journée, le liquide déborde de mes poches. Bien souvent, j'ai failli me noyer, oui. J'ai été à sec aussi, souvent. Quand je croisais papa le matin, aller travailler avec sa 102 bleue, en rentrant le matin de soirée, je me disais, c'est un bonhomme, mon vieux. Ensuite, je me faufilais dans mes couvertures et je dormais toute la journée. Le style vampire, dormir la journée et rôder une fois le soleil couché. Le genre de prédateur à l'envers, le genre qui, à la vue d'un poulet, meurt de peur. Je ne me suis jamais fait prendre ici. Et si j'avais été pris au keuf, j'aurais dit, les autres. C'est pas moi, c'est les autres. Oui, les autres. C'est pas moi, non, c'est les autres. Oui, les autres. J'étais beau parleur et je souriais aux filles en jean avec de grosses ceintures. Celles qui aiment bien l'odeur que dégagent les gars qui ont la réputation d'être des ordures. Le genre a juré sur la vie de sa mère dès qu'il ouvre la bouche. Rêve de BMW pour asseoir à la place du mort celle qui couche. Dans mon monde, un mec comme moi, c'est le top. J'aurais été une fille, on me traiterait de sale. Quand je croisais ma sœur avec ses copines dans le quartier, moi qu'allais en soirée, je lui disais « Rentre à la baraque, va faire à bouffer !» Ensuite, j'allais rejoindre mes copines, celles qui me faisaient bien délirer. Celles qui, comme moi, avaient un père, une mère, peut-être bien des frères et sœurs qui s'aimaient moi du genre beau parleur à l'endroit sans foi ni loi. Mais c'était pas moi le chien, non, mais... Les autres. C'est pas moi, c'est les autres. Les autres, et puis les autres. Et puis, du jour au lendemain, j'ai viré prêcheur, promettant des flammes aux pécheurs et des femmes aux bons adorateurs. Comme si Dieu avait besoin de ça pour mériter qu'on l'aime. Mais moi, pour que les autres m'aiment, moi. Moi j'en ai dit des choses pas belles et j'en ai accepté aussi. On m'a dit t'es noir, tu veux te marier avec elle mais t'es noir. Les autres ils disaient comme ça qu'elle était trop bien pour moi, donc moi je faisais de la peine à voir. Moi je continuais ma parodie, mon escroquerie spirituelle, sauf que je me carottais moi-même. J'étais devenu un mensonge sur pattes qui saoule grave et qui sait même pas ce qu'il dit. Qui voit même pas que c'est un malade et qui dit comme ça. Tout le temps, il dit comme ça, il dit les autres. Mais quand je pense à tout ça, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand je pense à tout ça, je vous jure que je pleure. Je vous jure que je pleure. Sur la place de la République.